100 ans en arrière, on est passé des dirigeables aux aéronefs. Aujourd'hui, les bateaux flottent et désormais ils voleront. En 76, on avait fait un petit bateau de 6 mètres en prenant une coque de tornado pour faire la coque centrale d'un trimaran à foil. Éric Tabarly y a cru avant tout le monde, il a donné une impulsion décisive, il m'a parrainé. J'avais confiance dans ce que le bateau puisse marcher, oui. Et puis comme lui, bah, il s'accrochait bien, il a été vraiment persévérant. En fait, on volait avec environ 20 nœuds de vent, avec une vitesse stabilisée de l'ordre de 25 nœuds, puis tout d'un coup, crac. On est content d'avoir ramené le bateau. C'était pas acquis. L'objectif sportif, c'est de stabiliser la vitesse que l'on vient de filer, à savoir 37 nœuds. Sur une traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Le record de Blériot en 35 minutes est à la portée de ce voilier, je crois. Ça s'est mal terminé, mais bon, on défriche, c'est un peu le lot des pionniers.